Salut à tous, c'est Ludo du technicien du sport à Josier. Alors aujourd'hui on profite d'une petite balade au craché avec une élève Trace sur la formation OSF à la montagne. Une élève qui voulait apprendre le ski de rando pour vous parler des gants Level High Touch. Donc le gant Level High Touch est un gant plutôt sport outdoor, raquette, rando, voir ce qu'ils te font, qui est bien fini. À savoir que quand on fait de la rando, c'est obligatoire de garder les gants et d'avoir une paire de petits gants toujours sur soi en cas d'avalanche pour aller faire les secours et même si on est sous l'avalanche. Donc on garde toujours une paire de gants à la main et idéalement il faut avoir des gants assez light pour pas avoir trop chaud à la montée, surtout à ces périodes comme ça, comme au printemps, où il peut faire très chaud et on a tendance à se découvrir. Donc les vêtements techniques sont hyper importants dans ces conditions là pour évacuer au maximum la chaleur, éviter d'avoir trop chaud, ce qui m'a permis aujourd'hui de garder des gants qui sont un peu épais, mais un poil épais pour la période, mais vu que j'avançais pas trop vite, ça m'a permis de les garder sans souci. Et du fait que j'ai des vêtements techniques qui respirent bien, j'ai pas eu trop chaud. Donc ce gant, il a une pomme cuir avec un renfort au niveau du pouce et de l'intérieur de la pomme de la main là pour l'appui bâton, donc il va pas s'user très vite. Et après on est sur un revêtement plus classique polyester et même un peu de polaire sur cette partie là pour enlever la sueur quand on a trop chaud. On peut utiliser les écrans tactiles, donc notamment pour les montres, pas pour celle-là, il n'y en a pas besoin, mais pour d'autres qui sont tactiles, ça permet d'utiliser nos montres, savoir où on en est, le téléphone, pour appeler les secours, tout ça, ça c'est bien. Et on est sur une membrane Gore-Tex Infinium. La membrane Gore-Tex permet énormément de respirabilité et d'imperméabilité. Et on vient aussi rajouter une petite membrane, c'est uniquement une membrane isolante, donc pour le vent, le froid et l'humidité, pluie, neige. Donc ça, après ça vient faire une moufle, donc le scratch velcro très puissant et très efficace, voilà, et la moufle qui permet de faire un bon coupe-vent quand on est en montagne et qu'il fait un peu froid. Là aujourd'hui il fait super bon, c'est vraiment top, super journée en Dubaï, il n'y en a pas besoin, mais voilà, on a la possibilité et quand on n'a pas besoin, on va la ranger dans sa petite poche. Voilà, donc ça c'est le gant Level High Touch, très efficace, donc tout ce qui est sport actif hiver, on garde bien sûr l'hiver parce qu'ils sont assez chauds. Après ils ont un autre modèle un peu moins chaud, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais il est bien fini, bien conçu. On est chez Level, marque italienne, super marque, robuste, bien fitté, il n'y a pas les doigts qui bougent dans tous les sens, c'est assez proche des doigts. Faut prendre la bonne taille bien entendu, on fera une vidéo sur choisir sa taille de gant, mais ce qu'il faut savoir c'est que ça s'élargit avec le temps, donc faut pas les prendre trop grands. Et puis voilà, Level High Touch, gants pour la ski de rando, rando, raquette, surtout hivernale, et voir ce qu'ils font. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et le technicien du sport à Josier. Je vais faire un petit tour d'horizon pour le plaisir. Et voilà, on est bien là. Donc le break du Chambéron, toute la vallée de Baille, la cime de la Bonnette tout au fond. Et tout là-bas, vous avez le lac de Serponçon. A bientôt dans les Alpes de Provence. La vue sur le break. Regarde loin devant.